s'était arrêtée. Et là, nous allons continuer pour dire au peuple guinéen ou aux peuples africains, faisons face à nos dirigeants africains pour qu'ils nous prennent au sérieux. Merci beaucoup, merci, je vois. Ok, merci. Il faudrait que nous nous levions contre ces dirigeants moribonds africains qui poussent les jeunes sur le chemin d'exil. Mais au même moment, ces jeunes gens doivent prendre leur vie du bon côté. Moi, je vous ai dit ici, en 2013 et en 2014, j'avais eu deux fois la chance de voyager par le Maroc en traversant la Méditerranée. Je n'avais pas voulu. J'avais préféré continuer à donner mes cours dans les écoles, gagner mon petit pain. Merci beaucoup, merci. Gagner mon petit pain que de traverser vers l'océan. Et Dieu, faisant du bien, m'a accordé un grand privilège en 2014, 2015, avec toutes les procédures, et en 2016, j'ai voyagé légalement aux États-Unis, où d'ailleurs j'ai trouvé que tous mes papiers étaient prêts. Tous mes papiers étaient prêts. J'ai trouvé que ma green card de 10 ans était déjà prête. Par contre, auparavant, j'avais refusé parce qu'on m'avait proposé le chemin de l'exil par la voie de la Méditerranée. Je n'ai pas voulu risquer. Ma vie, je me suis dit, ma chance, elle va toujours venir. Donc ne prenez pas de l'argent pour tenter le chemin de l'exil en passant par la Méditerranée. Nous qui sommes là, vous voyez des filles, 100 fois, slap, 100 fois, ou des jeunes garçons qui sont dans des voitures, qui font de la belle vie. Demandez-les d'aller vous montrer là où ils dorment. Des fois, quand ils sont chez eux, ils ne peuvent même pas parler parce qu'ils sont 3-4. Il y a d'autres qui dorment à côté. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que ça ne va pas. Ne pensez pas que tout est rose ici. Si le site n'a pas de papier, vous trouvez ici en Amérique ou en Europe des gens qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas de papier. Ils ne peuvent même pas rentrer au pays. Mais au-delà aussi, ils n'ont aucun moyen. Tout ce qu'ils gagnent, c'est dans les dépenses ici. Mais seulement, c'est quand la personne envoie 100 dollars, 200 dollars en Afrique. Et tout le monde dit, hey, lui là, il a l'argent, il est bien. Ou quand on le voit dans les habillements, n'oubliez pas aussi, ce sont des pays de crédit. Peut-être c'est quelque part l'avantage, mais beaucoup de gens sont endettés. Ils prennent l'argent, ils vont, ils construisent, ils prennent l'argent, ils achètent des voitures. Mais chaque fin de mois, ils payent. C'est un autre avantage, parce que là aussi, c'est ce qu'on appelle le développement quelque part. Mais tout ce que nous, on peut faire, faisons face à ces dirigeants moribonds africains. Vous pensez que si nous, en Guinée, si on avait refusé de se regarder en chienne défaillante depuis 2010, on allait avoir des médiocres, des moribonds gens comme ce régime Alpha Condé? Depuis 10 ans, ils nous ont lancés dans un état de 10 ans. Parce qu'aucune expérience, aucune compétence. Et en plus, ils viennent avec la haine. Pour diviser les gens, créer des problèmes dans le pays. Et puis je vois les gens dire, Alpha, il est fort en politique. On n'a pas besoin des hommes qui sont forts en politique. On a besoin des hommes qui sont forts en développement. Même Bessana Diamana la Walanye. Amako, l'amako, t'es politicien, la politicien, ouyafo Habi, à ma expérience, faux, Alpha. Habi, allez, la dunia tebe, qui est une politique, 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 kumaba, kumaba, ouyafo, kumaba. Hein? Kauda kabla jamana bekuna. Mais ambe si wala dinye. Ante si wala. Ante si wala nye. Wole la Guinée borobi. Angbaini. On est bloqué aujourd'hui dans la boue. Pas de route. Pas d'emploi. Merci Aïssa. So Aïssa. Bello Atlanta. Merci. Pas d'emploi. La jeunesse, c'est ce qui excite les gens. Imagine un jeune, tu termines tes études. Tu termines tes études. Eh bien, tu reviens encore à la charge de tes parents. Toujours tu es là. 25 ans, 30 ans, 40 ans, toi tu es encore dans la maison de ton papa. Tu ne peux même pas te marier de toi-même. Il faut qu'on fasse tout ça pour toi. Mais c'est grave, c'est sérieux. C'est sérieux. Habib, merci, bonjour. Comment ça va? Ou bonsoir. C'est sérieux. Donc,
Je pense que on doit essayer de changer la façon de faire. Donc, mais je vais donner la parole à quelques-uns. Pour ceux qui veulent appeler sur WhatsApp, qui ne veulent pas apparaître ici, vous pouvez appeler au 00224, c'est le code de la Guinée, 657 97 80 80. Je reprends. Après le code de la Guinée, Amen Hawa Oba, merci beaucoup. Après le code de la Guinée, vous mettez 657 97 80 80. C'est Allô, le numéro. salut, bonsoir, Tidiane. Kaba Mignon, comment ça va? Ouais, ça va très bien, et Ah, toi? tu mérites ton nom, hein, parce que tu es mignon là. Mais toi, tu es tout beau, mon frère. Ikaba. En bas. Allez, dis Ok. comment tu vas. Ouais, ça va, mon cher. Dieu merci. Ouais, Vraiment, donc. c'est dommage ce qui arrive actuellement à la Méditerranée. Voilà, c'est vraiment dommage que nos frères n'arrivent pas encore à comprendre que la vie ne se limite pas du fait d'aller à l'aventure. La vie ne se limite pas à ça. Il y a beaucoup de possibilités dans la vie. Je peux dire Effectivement. que je peux être l'un des rares Guinéens qui est sorti trop tôt à l'aventure. Parce que moi, je n'ai pas commencé mon aventure à l'Europe. J'ai commencé d'abord par la Côte d'Ivoire. Moi, je OK. suis sorti déjà de ma famille. Je crois que je n'avais même pas atteint encore 15 ans. Wow. Alors, s'il y a des gens qui sont sortis trop tôt, parmi les Guinéens, nous, on peut dire qu'on est sortis trop tôt. Quand on regarde l'Afrique, il y a l'argent. Celui qui te dit qu'il n'y a pas d'argent en Afrique, il ment. On n'aime pas travailler. C'est ça le problème. On ne fait pas travailler notre cerveau. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai fait tout genre de boulot. Tout genre de boulot, j'ai fait en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais Garbatrop. Moi-même, personnellement. Garbatrop. J'avais Garbatrop. OK. C'est quoi Tu ça? connais Garbatrop? Non, c'est quoi ça? C'est là où on fait attéké. J'ai fait un restaurant où on fait attéké. J'ai mis les gens dedans pour travailler pour moi. OK. Cabine téléphonique, je l'ai installée et j'ai fait des cabines téléphoniques où les gens travaillaient pour moi. Moi-même, j'ai travaillé aussi au moment difficile en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé dans les sentiers où on partait faire maçonnerie pour soulever les briques pour faire monter. Oui, Mais mais tout est-ce que, ça. mais Monsieur Kaba, est-ce que tu savais que maintenant là, il y a même des Guinéens qui sont en Libye, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, qui font actuellement les mêmes travaux parce que ils ont juste décidé de quitter, mais vu qu'il n'y a pas de moyens, ils sont bloqués là-bas, ils font des travaux pour gagner un peu d'argent et tenter aussi leur chance. Ne trouvez pas tout ça risqué aussi, surtout? Vous savez, mon frère, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour dire aux jeunes Guinéens qu'on peut travailler partout où on est. Si je te dis à Zérékoré, quand nous on était petits, nous on vendait de l'eau glacée, on mettait de l'eau sur la tête pour aller vendre. On vendait des plastiques. Dans le restaurant de mon père, moi je vendais café noir là-bas. Tout le monde le sait. À Zérékoré, père, c'est caché à personne. J'ai vendu café noir dans le restaurant de mon propre père. Comprenez un peu, après l'école, on vient, nous, on ne nous donnait pas le temps. Moi, j'ai des amis qui s'asseyaient devant les vidéoclubs de Jules et puis de Sadio pour vendre les tickets. Et ils ont Oh. construit une maison dans ça, ils ont construit des cours dans ça. Le gars, il a deux concessions aujourd'hui à Zérékoré. Il était simple gardien de vidéoclub. S'asseoir devant vidéoclub, prendre l'argent. C'est ça, Lyon. Ouais, c'est Sadio. Je connais bien là-bas. Ouais, je sais un peu, ouais. C'est pour te dire que nous, on connaît à peu près comment, qu'est-ce qu'on appelle le débrouillard, de se débrouiller, ce qu'on appelle travailler pour gagner sa vie. Les gens, même quand tu vas dans la forêt, à Zérékoré en son temps, tu payes de l'avocat, tu envoies dans les marchés hebdomadaires, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Il y a des gens qui sont devenus commerçants dans ça, ils ont vendu de l'huile rouge. Aujourd'hui, ils ont des magasins, ils ont eu l'argent, ils ont construit des villas.
Mais quand moi je vois les gens aller à l'aventure, pour dire qu'ils vont aller faire l'aventure, je me demande qu'est-ce qui les pousse. Quand tu veux venir à l'aventure, faut chercher des bons moyens, des vrais moyens pour venir. Faut pas faire chercher le raccourci. Les jeunes de maintenant, ils n'aiment pas travailler, ils aiment le raccourci. Ils aiment prendre le raccourci pour venir en Europe. Le raccourci, c'est le chemin de la mort qu'ils sont en train de prendre là. C'est de passer par la Libye et venir en Europe. Et c'est ces raccourcis-là qu'on veut leur dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de se jeter sur la mer pour dire que vous voulez venir en Europe. D'abord, vous risquez la vie des enfants, des bébés, des gens. Aujourd'hui, ce qui est encore plus marrant, c'est devenu une habitude maintenant, c'est les jeunes filles. Je peux te dire que l'année dernière, toutes les jeunes filles qui sont rentrées ici en Europe sont rentrées ici avec des enfants de d'autres personnes. Effectivement, parce qu'elle contracte les grossesses. Et voilà, parce qu'on les viole, excusez-moi le terme, mais on viole souvent les filles sur ce chemin. J'ai même eu le témoignage d'une fille qui n'a pas hésité de me dire, qui est actuellement en Espagne, qui a eu la chance de traverser, mais arrivée là-bas, non seulement elle était enceinte de deux jumeaux, mais également actuellement, elle m'a dit qu'elle a 7 mois. Donc, mais au-delà aussi, on a trouvé qu'elle était atteinte du VIH-Sida. Qu'elle était séropositive. C'est grave. Au fait, c'est trop risqué ce chemin-là, surtout pour les femmes aussi. Surtout. Donc, qu'elles Ouais, fassent mais beaucoup attention. Tidiane, tu sais, ce que les gens ne savent pas, nous on connaît ça en fait, c'est les routes de trafic. Les routes de trafic, déjà, dès que tu dis trafiquant, trafiquant n'a pas d'état d'âme. Quand la nuit tombe pour te trouver dans la forêt avec un trafiquant, surtout trois, quatre jeunes, toi tu es la seule fille, mais c'est obligatoire qu'ils vont coucher avec toi. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux rien faire contre ça. Tu ne peux rien parce que, voilà, ils sont plus forts que toi. Et puis, prie Dieu qu'ils soient des bonnes personnes, qui peuvent penser qu'ils ont des sœurs ou une maman. Mais si tu tombes sur des CAF, mais là-bas, c'est rien. L'essentiel, que nos sœurs et nos frères abandonnent le chemin de l'exil, de l'immigration clandestine. Parce que, imaginez, tout récemment, on a parlé plus de 40 Guinéens en Libye. 40 Guinéens actuellement. Il y a même des jeunes, l'un originaire de l'Élouma, l'autre Mamou, mais on les a figés. Il y a un qui est détenu là-bas, on impose à ses parents d'envoyer de l'argent. Un simple fonctionnaire qui enseigne quelque part dans le Fouta là-bas, on impose d'envoyer 6 millions de francs guinéens. Quelqu'un qui gagne même pas 2 millions, 3 millions, on t'impose parce que ton fils s'est caché et allé tenter le chemin de l'exil. C'est compliqué. Il faudrait que les gens prennent conscience. Voilà, Ils veulent Monsieur pas Kaba. abandonner. Ils veulent Franchement, pas merci. abandonner ce chemin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le désert là-bas, où les gens les prennent pour payer des rançons. Les terroristes, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Alors que nos frères renoncent au chemin de la Méditerranée. C'est ces sensibilisations qu'on doit faire. Tout ça aussi, ce sont la faute aussi quelque part aussi de nos gouvernants. Si aujourd'hui l'Afrique se trouve dans cet état. Alors, je vais te laisser, tu vas continuer avec d'autres personnes, mais je Merci. demande à mon frère de renoncer à la voie de la Méditerranée. C'est pas Merci. bien. Merci, Monsieur Kabayi Merci, Kabanyé. mon frère. Bah, Merci. au revoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Allemagne, oui. Ok. Monsieur, comment on dit bonsoir là-bas? Guten Abend. Oui, alors là, c'est compliqué. Allez, portez-vous bien, Monsieur Kaba. À bientôt. Merci, ce fut un plaisir. Ah, le King. Ouais, grand. Konoai. Ça va, non, non, marche de. Jantou. Eh, Atul Minara. Fial la Bédo, Andinalan. C'est toi, il voulait mon nom. On me Ouais, dit que volume, le Konoai. volume en arrière de mon ego, volume en dehors de on condom faible, non, quoi. Ok, le volume. On dit c'est trop bas le son. Je comprends pas. Au fait, la femme a été bien. Quand elle est Hollanda, Non, non, en fait, c'est à dire que tu as volume en fin de mais ça a été à ta gueule. Ok, on dit que c'est bon. Oui, on dit que. Oui, c'est bon. Ok. King Alasko, Ouais. l'ami des artistes, l'ami de tout le monde. Tu fais Ouais. un bon boulot, franchement, on est fiers de toi.
are meden gentima way ko numarda ko yota e fine to be do misike are ngattina video ngema do quoi en fait fi migration o opion metu kun sensibilise de quoi parce que imbe ben sa woli wano enen joni wombe rop ga ben sa woli be na ngadi hota din par ndara ta wiya wa konu ngadi hota anga hota hotude parce que dum pap di wi do joni jamais de la vie goddo no wada clandestin ko encourage goddo clandestin parce que clandestin awa sa wolna mama si ko tele on dai da wata andu de ko no ni clandestin ko il faut que nata ko der terre ayata yaw do clandestin ronki nin su de ko no nabi ayata yaw do clandestin ronki nin su de ko no nabi mo clandestin ado natu de fami kadi sa terende en fait guiné no metti sensibiliser de parce que payon no yori hata wata jenon kadi wati gollata quoi 70% jenon no jodi fuswarata no wadi rêve mon fo yaw golle de porte jonon a gollata da fala yaw de le de porte sa gollata en avelete c'est obligatoire parce que payon no satti joni sa gollata kadi bata ko nyama l'air fenu ka falda do goddo le sa nyamata l'air ka falda do ngangu sa wonna ma fi mai de ara ya considera avant mi ara da angi da si goddo nani tamma do piu parce que buy ko ni retrouver de ka ka clandestin do arabe mari grambe be mari minirabe ma petit oi inna be be ar o be nende do wa français mi anda to me mai mai tu joni monsieur excusez nous il va s'exprimer en polar et on reviendra en français avant mi wobbe no arde hara zar ko wobbe na tabe be ar ha dum yobanaabe be fejja joni ala gollude ala wadde fous an sa wolna ma goddo yar dum yobana ma fejja haray da jinyi quoi awata andu de danger jidi yetta hore ma na bato ya non tawa ku pire calvaire woni ton parce que pour rentrer en Europe c'est pas facile surtout par la voie clandestine c'est très 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 difficile. Moi j'ai connu plein de gens qui sont passés par là-bas. Kala natu do atama so explique anima atai que c'est catastrophe quoi. Donc yimbe be watay le de porte no weli ha. Moini le de porte wela hala on tigi fenanimo mais yow do wara. Mais kadi ara si tayda mari golle lagine da gollude ka woni da wara da gollude Afrique wata accutu dun don wi ara Europe futore gollu ara Europe para ko visit ara no ya visit ya no yimbe be wuriri non ko do wel tantu da hore ma ko wakilino da ko Afrique gollu da to mais sa akiti business ma on to ngari ga ye ti dun don ngari ga anin sai kon non no metti sensibilise de parce que a wola be ndar réseaux sociaux woni wadde parce que wano min ayi la la wadi pantalon fungitido be di couleur on hao jalbi sal dari kala bitiri afamika tiri ka parce que atirta ayata ka tuni tiroda ya wambe lagine ben sa andari photo ji tirte din ko quartier photo ji tirete din charaton e honno voilà photo ji din no sedi donc do kadi acciata ka tuni do ya aya ka labi don tiroda donc sa tiri ke don a posti go awata mo inde an da tampio holo mako ko du woni sonjude réseaux sociaux woni sonjude parce que yimbe ben fo mo be no fenande di no fende quoi yimbe ben no dudi fenande quoi ay a wol buy wol tan woni rino o fait yimbe ben ala yaltinde gurna mabbe nan tik merci gurna fenande yanan woni yaltinde be atiro photo di réseaux sociaux réseaux sociaux yimbe ben no dar de réseaux sociaux ndari réseaux sociaux wasi dar de film Jack Boero film no ko nda hide ko no foti me wana gonga Fernande yoko ko Fernande tu woni ka réseaux sociaux do dum non woni fuddi mi wondo be Hollande do sa ndari lan ka réseaux sociaux se fotti ka wala do an tatala min tigi sim do ndar de vi ango ka réseaux sociaux min ndara mi jalla min nano ko ayna no fotti wallahi min tum ara min tum mi do jodi kere mi ndara min tum mi ndari to min nano ko ayna no fotti wallahi avami tellement que wana gonga quoi jonnon simbe be yidundo min busta jikela avami hara ko partenaire be grand be e petit oya parce que be ya elan ka réseaux sociaux
be si kala ko mi ala avami be lando lan service ji tawata mi wata wadde ko hore am mapinim e no le ka di problème on sa wala ni be ben on afrique gonga ben na sal val ko dun non be lando lan service be lando lan service min na mi ala si min non tigi mi ala on non ka di tajo lan bitti ne nyande o na sa yi las dar tu las ko sa yi mo ko wada li wo sal hala no hangi dan dia na me conscience ala Allô? Allô, Lasco? Oh, y a des barrières au rideau. Ok, arrête connexion, nous manique. Alors, nous avons une marine noire de voie légale. Y a un tigiar. Si taille, on tigia la quoi de voie légale. Quand on dit tout, on risque au coé d'Andiang au désert, fi argolga quoi. C'est pas la solution. Ça nati. Aninsay kondun sa kalawol aninsay kondun yahanda sa nati lede porto a innay kondun aninsay kondun kondun riskanda hore ma e sa tawa ko sabu dum do ko wi me andi kadi ay wobbe noarde dum wada hitande dubi di haraybe ner kan haraybe joga haraybe ton bien sûr sa nati wi mi sa nati lede porto ara ko clandestine rewda haray da monani hore ma ko tay kon ko dorre ko dum ko on sonja don fo dum anni ma do quoi parce que sonja on don ka lawol merita le de porte merita on sonja don quoi sama ikan edum haray am awari hore ma fi fus wallahi billahi min si mi clandestine be no mai mi yur mete tro parce que min na be ndo be mai fi fus de mai fi fu be ka di suka be wonbe le de porte wonbe jettude be nguli mundi e bibbe mumbe rewna be kandi ando yo be andu ko kambe woni om si be wadi dun don yo be jettu be ngu mabbe tumbe adda bayara on don kanko mo mari be yowti da e makko be famu ndiri me tabe yo be terto pay koy koy kwa pay koy koy yo be accu koy ton si be ala fere no koy arda nokku go kanko yo koy wonton ta jettu bi do maun pay kun ku nganda fus parce que pay kun kan koko wadda ku woko dun don koko tindi nda ku woko non ku watta ko me jetta pay kun pay ko didoy pay ko tatoy jetta dum bengu ma watta dum inna baya hebali kay diga da jettu debe addirabe ku ndiya ben don dido si be yeyi andi kada effectivement koko signal la do andi kada en wodi himbe arabe europe arabe mari moins me be tantana wono bengu mabbe ma modi mabbe labe buybe ron kay bo de visa be rewna be kandiya parce que même mari musibe luttube dum biddo biddo jajira won fejire der mo wallay no mo yafo no yurmi ya quoi tawale na mo e manke juste manno yo be jettu be ngu mabbe bayara on dum be yewta be nina mo bommi fala ma rewnde do on tigin na hi himi do wakili be jettu on non be adda si be aro iga si be ngu mako nati on tuma be ndara e solution go no be hebira no pay koy koy arda me ta be jettu pay koy koy be ukka koy ko ndiya si dum awadi don dega wadi don ko fandi o pay ko foko do lutata pay ko ngotu wata fu bagole edundo donc jeune be wombe gabe tanu mari be nguli ton si tay do mari façon gono addiro be nguli mondin adde si tay o mara façon gono addirombe accebe be wona ton ta um rewnu be ko ndiyan pay ko koy jette awa be nguli mondin addo ay goddo ni do wo enen yide jodi ga ko dum minuma e wata be sensibilise de faida parce que be awola tumbe nan hida jodi ton wonu ma ja na yali isla yo do goddo afrique sa enni mo gano satti ko do enta ma hadi arta voilà o enna ma ko mo hadi arta be na kadi tonno satti do ngadude do otoje tonno sa don sur de terrain au fait c'est très compliqué quoi no yimbe ben gollirta do non leede porte sa golliri non afrika dia hebay si tayda mari départ mo parce que do ayay goddo o golla do 8h tan moy wadon o yaa gollo ya daka di 5h tan tu vois c'est forcément nga sa golliri non ara ala na goy leede porte on yo biar ga no weli ga sa golli ya hebay ko woni ko fala dem be famin gol ko woni rew gongol ka lawo da woni na solution on non sa ma yara ko fi fusu warma si da mari no arda do ar le de porte no wel si da mari mbudi jettu di soda visa ar kala si da mar no arda taw ko avion ar le ga no wel mais
si taya ala taya ala wakilo golla ndara sa hebay ara ardo e gashi ko visite madum ara soda e goddum meta rew kandiyam sa rewi ko ndiyam sa nati antigi natu don anin sai ko ndu rewanda don sa ma yi kanga goddo wolta fiidu e kadi nya yino den ko noni anda ayembe bu europe america parce mi woli dum do mi fillito sa landi ke $1000 be wata ma di hollude haray ko woni ko compte mabbe haray ko be jiani hore ma $1000 wata ma di hollude nayno di do haajo ngala e majji dum do lannata gram dum do lannata meme do lannata dum do halakal lannata ko ami acci wo jetta wobbe go ko woni tum min ko mi fala andinde ber wombe Afrique wu lagine en parce que ko lagine enen ko fi lagine burate wolde a fami si da lagine a zendo hara da fala arde lede port immo wakilo da golla dabba visa ara lede port en yan si da mari business ara mari ila golude si da mari o mo ko de visa mo dubi tati mo dubi nay mo dubi je okke da fe e jonnete pay arabe anda mari mbudi da mari no fere da fala tungarde lede port gollu heba mbori di so da visa ara madum wada goddungo meta jettore ma rewa kandiya parce que rew gongo kandiya akura zo to ayalta lagine hewta non ka zone maghreb bitti don taw kala mo wondo ka zone maghreb do ara da don fiala ko wawda parce que aninsay ko non nabu mado joni non aninsi ya hano ala passi hotirdi ala passi feddir ko dum yata goddo no golla don hitande fiyo waw essayede no lumbira kadi dum kadi ko risk ara kadi non kadi ara ko risk kadi kandiya exactly afami jonno sa en aninsi ko ndu yahanda dum ko en deuxième man si Allah na di man le porto jodo da non inna miji to da inna e ko ko mi sonji maghreb do fop harako sabu dum donu ayay don ida jula weltano Allah ko ndun tay ko amma ayani e dan don diam taw ko fiido sitaykan amma ayi ko ndiyan an e Allah dum don so holloy ma tele ma dum e dum ko fi hino do sab ko mayda ko antiki so sunni ma monota paske ara ayi ay modi no meriti tu vois yimbe be watta yila sida mari dum no arda ar me sitay tun ka kandiyan no terto risko no dudi do risko merci c'est tous merci Billo Lasco c'est tous fermement merci mon frère il faut envoyer le... oui comment ça va ouais grand ouais grand merci de nala nawa ya to soja oja le ka eh tu dani menen ala o mo fo man fa do eh awa do problème me wa ya to bari ben joni menen yeah men ngenti mar parce que mi fala ma fermude mais ko bay mi goddo no wadi demande jon do wadé do 2 minutes please dou ma noré OK problème ala en fait juste quand on yeto do joni gongo dou non no heda de quoi vraiment ni wé me quoi yinde ben zahala ni de batu rew go la dandi am benana ta quoi wala harom ta mais en fait benana ta ko yinde ben hala ta bon be sikka hara ko monangol be ara sabu mabbe en bala ka dara ga na lor gara na dum ko acho en sa ko ben ndo ka di volume fama ara volume ala c'est pas volume na e me ara na ka niveau ma certainement vous dites pas de volume je comprends pas les gens hein man no ka di saboter no wodi mais velo c'est des bonnes personnes ça. Ouais, voilà, le volume est bon. OK. En fait, ça basic gagne ça comme na ko be aruga, mais alors que c'est pas ça, ça comme be fop ma de ko be aruga, en fo wonen don wure ngurda mo jango, tu vois? Mais quand be fama ta dum be nay an a jodi ga ya wadde dum ya so dum ya wadde dum alors que c'est pas ça. Ni na quoi parce que wonde yide de robe bibbe mum be fop no ma ya dandia. Yurme en fait quoi, yurme trop même, wallahi billahi. Yurme haytangi la ndara do video wado television do joni de balle do jidrawo bibbe mum dem fop lutte dum quoi. Et puis ko pour mettude iya Tunisien gion mu filmude de bono no cimetière de Allah lando
Ouais, c'est pas le moment de dire ça. Ouais, c'est pas le moment de dire ça. Mais c'est révoltant. Et puis, on les qui me pose des bombes et tout mon canardier, hein. Comme on non, ça c'est une autre leçon et l'amour d'Afrique. C'est une leçon pour les dirigeants de l'Afrique noire. Parce que non, ils n'étaient comme vous, vous n'avez pas besoin de vos citoyens. Alors, on va les laisser mourir dans la Méditerranée. C'est ça, oui, c'est ça. Vraiment, la boutre, le demi-stabari. Donc, il y a des voyages. Ça y est, il y a des voyages. Il y a des voyages. C'est une question de sens. Si je suis 6 mois, 1 an, il y a 10 ans, 20 ans, il y a la Caïd. Merci, monsieur Barry. Merci. Ok, c'est du saut.